Xavier, Félix, à l'issue du délibéré, quelles sont vos réactions? Mon maréchal garde à vue, contrôle judiciaire, tout ça la donne vue parce que c'est relax finalement, il mérite des dommages, mais ça ne va pas être rien non plus. La loi n'est pas problème et mon ballon. On est partagé parce que vos amis hyper relax, c'était pas faire. Moi finalement je prends 70 heures de travail en péage généraux, 200 € à rembourser aux policiers et 500 € au titre pour rembourser ses avocats. Nous ce qu'on se dit c'est qu'à la base on n'avait pas à être là, vu qu'on a participé pacifiquement à une manifestation. Les faits dont on était accusés pour nous ils sont faux. Donc une partie a été reconnue puisque Xavier est relaxé. Moi finalement je suis condamné pour agression sur agent. Donc c'est mitigé parce que comme avec Xavier on a rallié la garde à vue, on a eu un contrôle judiciaire drastique du quasiment jamais vu à l'histoire de la Réunion pour une manifestation pacifiste. Il y a eu une réquisition du procureur à l'époque qui demandait un an d'interdiction de se voir. On a failli se manifester, donc ça touche directement à notre mouvement. On a eu affaire à un procès politique quand même, les mots sont pesés. Quand on voit toutes les affaires de détournement d'argent, toutes les grosses affaires qu'il y a partout, où il n'y a que du sursis, enfin. Ouais. Donc c'est mitigé. On n'avait pas à être là pour nous.